personne n'essaie de me commander dans ma propre maison. S'il vous plaît. Mais mon prince, nous sommes tous venus ici pour la même raison. Terminer les préparations pour du dernier offala de notre roi Akadioba. Il y a des choses que nous devons bien regarder. Et surtout quand nous savons combien d'autres clans sont préparés. Exactement. Oh non, mon problème avec toi est que tu aimes prêcher trop de sermons. Je prendrai la dernière décision au sujet de la mémoire d'adieu de mon père. Je suis le prince héritier de ce royaume, prince Arinze. Dorénavant, moi seul convoquerai toutes les réunions tenues dans ce palais. Point barre. Non, mon prince. Vous commettez une grosse erreur. Onou est la deuxième personnalité de ce royaume, après Igwe. Exactement. Il a complètement raison dans tout ce qu'il a dit. Oh oui! Rappelle-moi ton nom. Ichimba Ono. Très bien, Ichimba, n'est-ce pas? Donc c'est arrivé au point où tu regardes dans mes yeux pour m'insulter. Moi? Je vois que vous les anciens, vous vous êtes réunis pour me retirer ce qui m'appartient de droit. Ono, c'est ça non? C'est ça votre plan? Prince, calme-toi. Calme-toi. Nous sommes tous ici pour le même objectif. Et tout ce que nous faisons, c'est en honneur de notre défunt roi. Nous te supplions de te calmer et continuons cette réunion importante, s'il te plaît. Tout ceci m'étonne grave. Biadjaïma, écoutez, un enfant qui danse la danse de Soulouk le Meno, c'est que c'est la danse de Dieu. La danse des esprits. Oh oui. Voici le problème que j'ai avec vous les anciens. 1. Vous êtes de la vieille école. 2. Quand vous portez vos bonnets rouges là, vous pensez que vous avez toute la sagesse du monde. Or, vous n'avez rien dans vos têtes. Hein? Avez-vous la petite idée des genres de danse auxquels j'ai été témoin ou dans lesquels je me suis impliqué? Dites-nous. De toutes les façons, cette réunion est terminée. Pourquoi? Vous m'avez bien entendu, voulez-vous que je me répète? Cette assemblée est terminée. Je ne suis intéressé ni aujourd'hui, ni demain, ni dans l'avenir le plus proche. Rentrez chez vous. Pourquoi mon prince? Pourquoi? La réunion vient de commencer. Oh non, je déteste la répétition. C'est fini cette réunion. Je ne suis intéressé ni aujourd'hui, ni demain, ni dans l'avenir le plus proche. Si vous n'avez rien à faire, moi je suis occupé. C'est fini. Je vous dis de rentrer. C'est votre maison ici. Vous n'avez plus de maison. Ou bien vos loyers sont terminés. Rentrez chez vous. Ne fais pas ça, prince. Ça, c'est de l'embêtement. Pourquoi tu fais ça? Hein? Tu t'en vas? Que veut dire ça? Ceci n'est pas du tout bien. Oh non. Nous devons agir vite. Hey! Hey! Arise. N'a plus de respect pour ce conseil. Et en général, le royaume tout entier. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Amaka? 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 Grand frère. Où es-tu? Viens, non? Apporte-moi de l'eau. De l'eau, je vais remplir la pompe à eau de ce véhicule. Sois un peu rapide. Je ne veux pas être en retard. Fais vite. J'ai dû apporter de l'eau. Je crois que ça va suffire. Laisse-moi voir. Oui, ça suffira. Ne regarde pas le radiateur de mon véhicule ici. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec. Peu importe le nombre de fois que tu l'arranges, il y a toujours des fuites. Je suis fatigué de tout ça, vraiment. Mon frère, change juste de voiture. Allez, prends ça. Hein? Change de voiture. Quoi? Hein? Trouve-toi une autre voiture et épargne-toi de ces troubles mécaniques. Cette marque est devenue trop archaïque. Hein? C'est déjà vieilli. Mais... Regarde-moi sa bouche. Je ne te blâme pas. Change cette voiture. Change cette voiture. Tu penses que c'est facile? Hein? Je vais la changer avec quoi? Mes testicules? Je ne te blâme pas. Si tu sais à quel point la situation économique de ce pays est critique, tu ne me demanderas pas de la changer. Par quel moyen je vais le faire? Donc tu acceptes de souffrir avec cet enfoiré? Qu'est-ce que tu appelles voiture?
Ça, c'est une voiture. Hein? Hein? Tu appelles ma jolie voiture Jalopy. Toi, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je serai ici. Et je verrai le genre de véhicule avec lequel ton futur mari viendra pour te marier. Mon mari va venir avec une grosse voiture. Une voiture de marque. On verra. Kéké, c'est avec ça qu'il viendra. Parions. Viens parier. Kéké, c'est avec ça que ton futur mari viendra. Hein, pas de problème. Ça ne serait pas un problème. Mais toi, de ta part, assure-toi que tu as fait la cuisine. Hein? Réserve-moi quelque chose à manger. Je ne veux pas rentrer et puis attendre encore ce que je dois manger, s'il te plaît. Trouve-toi une femme. Comme si elle va prendre bien soin de toi, parce que moi, j'en ai marre. Pas de problème, je t'ai attendu. Tu sais ce qu'on va faire, hein? Il y a plein de jolies filles dans ce village. Commence par recevoir leurs applications, hein? Tu sais que ton frère est un homme très beau, hein? Tu sais. Je sais. Hey, commence par recevoir des applications d'elle, hein? Toutes celles que tu approuveras, je vais l'épouser. Pas de problème, pas de problème. D'accord. Pas de problème, prends soin de toi. Prends soin de toi. D'accord. Laisse-moi partir. Waouh. Eh oui, je sais que ça va démarrer. Ne ris pas. Ne ris pas. Chéri, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Tu dois mettre ces choses au clair. Bien sûr, je vais être roi. Rien ne changera ça. Mon problème ici, c'est Ono et tous les anciens. Ils sont en train de taper sur mes nerfs. Et je ne veux pas qu'on me pousse vers le mur. Mon amour, ils ne vont pas oser te faire ça. Pas du tout. Tu dois être roi, mais c'est comme s'ils ne sont pas contents. Et pour ça, tu ne dois pas te mettre dans ces états. S'il te plaît, calme-toi, ok? Je t'en prie. C'est pourquoi je t'apprécie vraiment. Hmm? Tu n'es pas seulement la source de ma force, mais aussi la source de mon inspiration. Arrête ça, mon amour. C'est ce que j'ai juré à faire durant le reste de ma vie. T'aimer et rester avec toi. Merci. Tu dois garder ton calme. Essaye de te détendre. C'est ce qui va te permettre de bien gérer cette situation, ok? Comme ça, tu pourras mettre chacun où il mérite, tu vois? Je verrai ma reine à mon retour du boulot. D'accord. Bye. Bye.
Hey, mon frère, bonjour. Ah, putain de merde. Ah, je suis en retard. Chi. Chi, quel est ton problème? Regarde l'heure à laquelle tu es venu au boulot. Est-ce comme ça que nous allons faire avancer cette société? Frère, je suis vraiment désolé. S'il te plaît, te fâche pas. Je sais que j'ai dû endosser la responsabilité, mais pas entièrement. Ma voiture est à blâmer 90%. Cette voiture me fatigue vraiment. Je le dis toujours, la société doit me trouver une nouvelle voiture. Cette voiture m'embarrasse chaque jour. Je te dis, tu sais, après chaque kilomètre, je dois m'arrêter pour compléter de l'eau. C'est vraiment terrible. Je souffre. En fait, laisse-moi dire ce que je pense faire. Je veux attacher une citerne d'eau à cette voiture. Je pense que c'est la meilleure chose. Comme ça, à chaque fois que je l'appuie, l'eau quitte de là pour rentrer directement dans la pompe. Et je vais continuer à avancer. Et après chaque kilomètre, je vais appuyer encore et l'eau va rentrer dedans, c'est tout. C'est mieux. Chinonou, est-ce que tu écoutes ce que tu dis? À chaque kilomètre, tu gardes pour acheter de l'eau. À chaque kilomètre, tu gardes pour acheter de l'eau. Que veut dire ça? Hein? Tu sais que la voiture ne fonctionne pas bien. Alors pourquoi ne pas la laisser au bord de la route? Prendre une moto pour venir au travail ou bien même la laisser à la maison? Pourquoi tu te mets dans tout cet embarras? Et maintenant, le reste du staff commence par penser que je fais exception parce que tu es mon cousin. Oh non, arrête, non. Ils ne sont pas censés penser ainsi. Ce problème ne provient pas de moi. Hein? Ne parle pas comme si je bavarde pour rien. Je te dis ce que je traverse. Je ne peux pas te mentir. C'est exactement ce que je traverse. Si tu penses que je m'affraire, je vais te laisser cette voiture juste pour une journée. Honnêtement, ne me donne pas la tienne et conduis cette voiture juste pour une journée. Tu vois ce que je dis? C'est exactement ce que tu vas expérimenter. En fait, le lendemain, tu seras la première personne qui attachera cette citerne à cette voiture. Je te dis la vérité. C'est terrible. Mais laissons ça de côté. Comment cela s'est passé avec les aînés? Ce n'est pas le bon moment d'en parler. Allons aux affaires du jour. Désolé pour cela. Comme ton cousin, je voulais savoir comment ça s'est passé. Ne te fâche pas, désolé. Alors? Nous avons deux réunions très importantes. Premièrement, nous avons la réunion avec le ministre du pétrole. Et secondo, c'est la rencontre avec le gouverneur de l'État. Bien, il n'y a aucune excuse à rater ces réunions. Mm-hmm. Au fait, ils nous attendent déjà. Je suis d'accord avec toi 100%. Très bien. Bon travail. Qu'en est-il de notre réunion avec le consultant italien? Il est venu dans le pays depuis hier et logé dans son hôtel. Oh, c'est vrai. Mais nous allons reporter la réunion là. Écoute, nous ne pouvons pas rater l'opportunité que nous avons parce que c'est le moment pour nous de sécuriser nos affaires. Okay. Écoutez, ne parlons pas de n'importe qui ou de n'importe quelle personnalité. Nous parlons du gouverneur de cet état et du ministre du pétrole. Alors nous devons saisir l'occasion. Tu as raison, je suis d'accord avec toi 100%. Mais tu vas me donner un peu de temps. Laisse-moi rentrer dans mon bureau, arranger certaines choses et je te reviens. Donne-moi 10 minutes. Ok, vas-y, fais vite. Okay, vas-y, fais vite. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que ça prend beaucoup de temps pour qu'on nous donne la date de notre cérémonie? En plus, personne n'en parle. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense que nous devons poser cette question à Onowu et son conseil voyageur, qui sont devenus un frein pour le progrès, même s'il était le confident de mon pauvre mari. Oh, s'il te plaît, maman. Confident mon œil. Et toi et moi savons qu'il est juste en train de prétendre. Il veut juste qu'il puisse oublier qu'il doit être en fait couronné. Mais je suis sûre que les dieux de mon mari vont pourvoir. Oui, nous pensions qu'il serait un bon travailleur. La chose qui nous déçoit tous, c'est qu'il est devenu une autre personne. Une personne qui tenait bien ses fonctions. Et voilà maintenant qu'ils sont en train de chercher à effreindre l'héritage de mon mari. Et cherche à dissimuler tout ça dans la tradition et la culture. J'aurais souhaité que ces choses se passent très bien. Comme ça, notre date sera fixée et ça va bien marcher. Bien, chérie, ok. Nous n'avons pas gaspillé tout notre temps à discuter de ces gens et leurs trucs. Dis-moi, où est Renzi? Mais
soucie pas trop concernant le résultat. En ce qui me concerne, je l'ai fait à 3 reprises. J'échoue toujours. C'est pour cette raison que ma mère m'a demandé d'aller chercher un homme qui va m'épouser. Parce qu'il va continuer là où elle s'est arrêtée. Comment ta mère peut dire des choses pareilles? Hein? Ce n'est pas juste. Hey, ma belle. Oh, tu vois, ce n'est pas question de passer à côté. C'est de l'argent qu'il s'agit. Quel argent? Tu sais, tous ces jours, je ne dors même pas bien. Je ne sais pas si mon frère Tinedou saura m'aider à propos de ça. Hein? Ça ne va pas. Déjà hier, il m'avait dit qu'il n'avait pas d'argent. Pour... Je ne sais pas. Ah ah! Dis-lui d'aller voir vos cousins. Ils vont vous aider. Quoi? Choma, tu es vraiment drôle. Ce n'est pas aussi facile comme tu l'as dit. Oh. Hein? Je sais que mon oncle vient de mourir. On n'était même pas en mesure d'organiser ses obsèques. Mais je ne sais pas vraiment avec ces problèmes où est-ce que je vais en finir. Tu sais, je ne sais pas. Je ne vais pas perdre cette chance, hein, Choma. Hein? Désolée. Le dieu des orphelins te viendra au secours, j'en suis sûre. Toi et moi reprendrons les démarches là où on s'est arrêté et nous obtiendrons nos lettres d'admission à l'université. Mmh. Tu me permets que moi j'entre d'abord, hein? Tu vas entrer et tu iras jusqu'à la fin. Tu vas entrer, t'inquiète. Ici. Hein? Que se passe-t-il ici, dans ce bureau? Hé, hey, viens, écoute-moi, je m'adresse à toi. Que fais-tu? Hein? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que cela signifie? Ce sont des petites filles comme toi qui se promènent pour détruire des jeunes hommes. À l'aide désorientant, sans raison valable. Hein? Dehors. Je dis dehors, quitte ce bureau tout de suite. Sors d'ici. Pourquoi as-tu embarrassé mon invité comme ça? Regarde-moi ça. Est-ce que tu t'écoutes toi-même? Regarde ce que tu fais. Tu devrais avoir honte de toi. Hein? Tu ne devrais pas faire ça dans un bureau. On ne mélange pas les affaires avec le plaisir. C'est pas juste. Hein? Mais arrête. Mais si tu veux faire ça, c'est très simple. Il y a des hôtels un peu partout ici. Va dehors, avec un peu d'argent, trouve un hôtel et prends ton temps pour faire tout ce que tu veux là-bas. Mais pas cet endroit. Ici, c'est un bureau, dis donc. Écoute, il fallait me demander ce qui s'est passé. Je peux m'expliquer. Qu'est-ce que tu essaies d'expliquer? Tu devrais avoir honte. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Cet endroit peut être ton bureau, mais je fais partie de ta famille. Je dois te dire la vérité. Même si tu ne te respectes pas, il faut avoir un peu de respect pour ton défunt père. Il a mis en place cette société. Dis donc,
Même son corps est toujours à la mort. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et je pense même que l'agent qu'il utilise pour prendre soin de la famille royale provient de cette société. Et regarde comment tu te comportes ici. Quel est ton problème? Mais arrête, arrête ça. C'est pas bien. Au fait, nous ne faisions rien. Seulement que nous étions en train de... Tu la fermes là-bas. Tu fais ça déjà. Si c'est que j'avais passé encore une seconde dehors, tu allais coucher avec cette petite ici. C'est pas bien. Je te connais. Je te dirai toujours la vérité. Ne fais pas ça. Si tu veux faire ce genre de choses, va à l'hôtel. Va t'amuser là-bas. Mais pas ici. Arrête de faire la honte de la famille. Signe ce document. Arrête de me regarder comme ça et fais ce que je te demande. Signe ce document. Laisse-moi voir ça. Ah, tu es un prince. Ne jamais oublier ça. Je suis sûr que tu n'as aucun commentaire à faire. Tu me regardes. Toi là, tu me déçois quoi. Donc il a fait irruption dans mon bureau pour me dire ce qu'il faut faire. J'ai réussi aux examens. Ah, c'est vrai ça? Satisfaction. Waouh! C'est une bonne chose. Félicitations. Merci. À toi. Tu sais bien prendre soin de toi-même. Alors, tu réponds quand à l'école? Ça, c'est la raison pour laquelle je suis venue. C'était pour venir vous parler des conditions de la rentrée. Si vous pourrez m'aider avec un peu d'argent. Oui, aidez-moi vraiment, sinon je serai en retard au cours. Es-tu sûr que tu n'as pas oublié le chemin? Comment ça? Peut-être que tu ne devais pas venir ici. Quoi? Ça c'est qui? Mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais là, assise sur mon siège royal? Lève-toi de là! Tu n'as pas de respect pour la royauté? Je suis désolée, votre majesté. Oui, tu dois être désolée. Est-ce que ça a l'air du fauteuil de la maison de ton père? Non. Ne le sais plus. Oui? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Votre Majesté, je réussis à mon test. Merci. C'est pour ça même que je suis venue vous demander si vous pouvez m'aider avec un peu d'argent. Pour payer le frais d'admission et d'autres choses qu'on demande. Ok, pour ça alors, je t'ai dit félicitations pour la réussite. Merci. Merci. Oui, mais tu dois retenir que ça, ce n'est pas une organisation de œuvres de charité et non plus une agence de dons. Très bien. Ok. Tu as fait la part de ta mission ici. Ok, bien, je t'ai entendu. Je vais faire parvenir ton message à ton frère Chinedu. Merci, moi. Tu peux t'en aller. Merci beaucoup. Tu l'as laissé s'asseoir sur mon fauteuil? Maman, je m'étouffe. Son odeur m'a dérangée. Cette voiture, hein? Chai. Cette voiture, hein? Gars, merci beaucoup, hein? De rien. Merci, je ne sais pas ce que je ferai sans vous. Pas de quoi. Merci. De rien, mon frère. Nous sommes très contents de t'avoir aidé. T'inquiète, seulement je suis fatigué et j'ai faim. Désolé. Oga, la chose dont je te parlais là, juste dis au mécanicien de vérifier. Tu comprends, quand il aura fini avec tout ça. L'effet de pousse-pousse va s'arrêter. Pas de problème. Je ferai exactement ce que tu as dit. Très bien alors. Ok, pas de problème.
Honnêtement, je n'ai pas un sou sur moi, croyez-moi, sinon j'aurais dû vous donner quelque chose. De l'eau pure. L'argent pour l'eau pure, s'il te plaît. J'ai tout dépensé, je vous jure. Ok, c'est pas grave, on doit partir. Bon, au revoir. Ne te dérange pas. À la prochaine fois, s'il vous plaît. Grand frère, bonsoir. Amaka. Amaka. Amaka, je t'appelle, non? Amaka. Amaka, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Je t'appelle et tu m'ignores. Qu'est-ce qu'il y a? Désolée. Je n'ai jamais été humiliée de toute ma vie de cette façon. Ah. Humiliée. Humiliée par qui? En tout cas, d'où viens-tu? Du palais. Je n'ai même pas envie de parler de ce qui s'est passé là-bas. J'ai honte de moi-même. Ah. Ça va. Ça va, hein? Ça va. Je ne vais pas te déranger de me dire ce qui s'est passé au palais. Nous sommes des adultes. D'accord. Il faut juste savoir que, quoi qu'il en soit, je vais m'en charger. Ok? Et s'il te plaît, ne sois pas triste. Tu es la seule sœur que j'ai. Ma jeune sœur, et à chaque fois que tu es dans cet état, ça m'affecte aussi. Compris? Merci beaucoup. Ça va, ça va. Alors frère, c'est comment avec mes études? Je veux aller à l'école. Tous mes amis sont allés au cours. Moi, je veux aussi aller au cours. Amaka, ne pense pas comme si cette situation ne me dérange pas. Crois-moi, vraiment, ça me dérange. Mais malheureusement, je n'ai pas d'argent. Honnêtement, je n'ai pas d'argent. Tu sais, mais j'ai ça comme priorité. Je suis en train d'épargner un peu via mon salaire et je crois que dans les 6 prochains mois, je serai en mesure de te donner de l'argent pour aller faire ton inscription à l'école. Dans 6 mois? Oui. Mais 6 mois, c'est très loin. Mais là, on ne va plus m'accepter. Comment je peux attendre jusqu'après 6 mois? Hey, mon Dieu. Ça va. Ça va. Ne pleure pas. J'ai un autre plan. Hein? Un de mes amis m'a promis de me donner de l'argent et il m'a demandé de venir demain. Une fois que je touche cet argent, je te donnerai tout afin que tu démarres l'inscription. Ok? Tu iras à l'école. D'accord? Je te promets que je te donnerai tout, ok? S'il arrive à me donner cet argent demain, je te donnerai tout. C'est promis. D'accord? Ok? Ok. Ah, attends. Je prends soin de toi. Maintenant, c'est mon tour. Hein? La nourriture. C'est très important, la nourriture. J'ai trop faim. Il y a la nourriture. Ah. Attends, je vais aller chercher. Va vite, s'il te plaît. La nourriture, s'il te plaît. Arrête sa fesse. Pourquoi ne pas mettre assez de couleurs? Hein? Mais oui! Un truc comme du salsa? Tu sais que ça n'est pas du tout populaire. En tout cas, je suis très contente. Vas-tu passer? Oui. Quoi? Examen? Dis-moi, où as-tu appris ça? Non, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas. Ok, je peux bien le gérer moi-même. Ok, je t'ai entendu. Vraiment, ma chérie. Tu me manques, ma sœur. Ok, on parle un peu plus tard. Désolée, votre majesté. Je ne vous avais pas vu, désolée. Je sais. Bon, je ne voulais pas interrompre ton appel, tu vois. C'était qui? Louisa, ma jeune sœur. Elle me fait vraiment beaucoup parler. Pouvez-vous imaginer qu'elle a
passer ses vacances juste pendant 2 heures. Les vacances? Et pourquoi elle ne vient pas à la maison? Elle ne sera pas d'accord avec ça. Depuis qu'elle a quitté le pays, elle ne veut plus jamais rentrer ici. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle n'aime plus venir au pays. Mais pourquoi elle peut se décider ainsi de fuir en dehors du pays? Et comment, ton mari est où? Est-il déjà sorti? Oui, bien sûr qu'il est parti au bureau. Ok, bien. Il y a un adage qui dit que les rois qui n'écoutent pas ces sujets se promènent avec des habits sales. Exactement. Prince Arendt, toi et nous ne devrions pas créer des résistances sur ces sujets. S'il te plaît, choisis un autre jour. Absurdité. Oh non, ce que tu viens de dire n'est qu'une pure absurdité. J'exerce le droit en tant qu'héritier de ce trône, le prince Arinze du royaume de Fisiala. La dernière mémoire d'adieu du roi aura lieu le dernier jour du mois. Point barre. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Cela se fait jamais. Prince Arinze, c'est contraire à la tradition du royaume de Fisiala que le dernier ovale de n'importe quel roi s'organise dans un jour ouvrable. C'est ça. Oui. Ça, c'est de la part de moi-même et d'autres anciens. Bam. 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 Qu'est-ce que tu as dit? Oh non, qu'est-ce que tu as dit? Tu veux me défier? Toi! Toi! Défier votre prince? Vous avez tous franchi vos limites. Ouais! Vous avez franchi vos limites et je ne me tiendrai pas ici pour échanger de mots avec des gens de basse classe, plutôt dis-je même des gens de culte classe comme vous tous. Maintenant, disparaissez. Arinze, t'ai-je bien entendu? Est-ce qu'il y a Est-ce que je t'ai bien entendu? Est-ce qu'il y a de l'eau dans ma bouche? Je dis quittez ce trône. Regarde-toi, c'est la même canne que tu as toujours utilisée depuis que j'étais né. Quittez ici, je dis. Vous n'avez aucune classe. Regardez-moi. Vous attendez encore quoi? C'est tout ce que vous savez répondre. Ndiche, bougez! Ndichi, aucune classe, bien. C'est ça? Bougez! Regrettez ceci. Nous, aucune classe. Nous avons c'est notre valeur, classe. Même si toi tu ne les reconnais pas, d'autres les reconnaissent. Misérable. Je n'ai jamais été de la classe la plus misérable. Et je ne laisserai jamais, je te l'ai dit. Tu ne connais même pas ta mesure. Regarde-moi. Je ne le suis pas. Bouge! Il est en train de boiter même. Tu veux faire quoi? Bouge! Vous êtes très stupide. N'importe quoi. Je ne céderai pas. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Je t'ai attendu crier sur les aînés. Mais arrête, mon gars, c'est pas bon. Tu dépasses tes limites. Voici des gens qui travaillent avec ton père. Les gens qui lui donnent du bon conseil jusqu'à sa mort. Mais arrête, c'est pas bon. Ça ne te concerne pas. Qui t'a invité à cette réunion? Excuse-moi. Personne ne m'a invité. Je fais partie de cette famille. Si tu ne m'invites pas, je m'inviterai moi-même. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu dois arrêter ça. Arrête d'agir comme un enfant gâté. Viens-tu m'appeler un enfant gâté? Chinedou, je te pose une question. Viens-tu m'appeler un enfant gâté? T'es en train de me défier. T'es en train de me défier. Méfie-toi. Que je fasse attention. Arrêtez. Tu me parles ainsi. Et tu me demandes si je te pointe du doigt. Laisse-moi être clair avec toi. Je vais te doigter si tu ne le sais pas. Je vais te doigter le nombre de fois que je veux. Mais il faut arrêter ça, mon ami. Ce que tu fais est mauvais. On ne parle pas aux aînés de cette manière. Pourquoi veux-tu que je te laisse manquer de respect aux aînés et à ton défunt père? Pourquoi? Arrête ça. La raison pour laquelle je ne vais pas te répondre dans cette affaire est que ça se passe devant le trône de mon père. Tu le sentiras après. Méfie-toi. Comment ça va? Oui, ça va bien. Trouve-moi de la monnaie dehors, s'il te plaît. D'accord. Merci.
est vraiment clair que l'un d'entre vous est en train de profiter de ma simplicité et de ma gentillesse. La personne n'a pas seulement fait irruption dans mon bureau, mais elle a aussi pris un dossier qui est très important pour moi. Et l'un d'entre vous en est responsable. Arinze, as-tu bien fouillé ton bureau? Ou soit, lève-toi, je peux t'aider en fouillant bien dans les tiroirs. Chinedu, qu'est-ce que cela veut dire? Ne peux-tu pas te respecter toi-même? Donc, je suis un imbécile, je suis un enfant. Veux-tu me dire que je n'ai pas bien fouillé mon bureau avant de vous convoquer? Écoute, je te respecte, donc tu dois te respecter toi aussi. Je suis certain avoir gardé ce dossier ici, mais je ne le trouve pas. L'un d'entre vous aurait certainement pris ce dossier et te soupçonne, toi, Nketi. Tu sais ce qui s'est passé, où est mon dossier? Monsieur, je ne sais rien. Je n'ai pas pris votre document. Je ne sais pas. Croyez-moi, monsieur. Je ne suis pas entré dans votre bureau cette semaine. Chinelou, qu'est-ce que tu dis au sujet du dossier? Ce que j'ai déjà dit, c'est très simple. Juste lève-toi, laisse-moi t'aider. Je vais bien fouiller tes tiroirs. Les documents peuvent être là. Je vois. Donc, nul d'entre vous a pris le dossier. Ok. Ouais, viens dans mon bureau. Viens dans mon bureau immédiatement. Toi, tu ne sais rien du dossier. Non, monsieur. Tu ne sais rien du dossier. Pas de problème. Aucun d'entre vous a pris le dossier. Donc c'est moi-même qui l'ai égaré, ou bien je l'ai avalé. Oui, monsieur. Ouais, bien. Amène ces gens dans leur bureau respectif et fouille minutieusement. Tu verras un dossier intitulé Lambert & Son International. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, monsieur. D'accord. Vas-y. Bien, monsieur. Bien, allons-y. Je n'ai jamais touché ces documents et je ne sais pas comment ça se retrouve dans mon bureau. Je n'ai jamais apporté ces documents dans mon bureau. Ce n'est pas possible. Que vais-je faire avec ces documents là-bas? Tu dois me croire pour l'amour du ciel. Mais ce n'est pas moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Les voici, monsieur. Où est-ce que tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé dans son bureau, monsieur. Chinedu. Écoute, Arinze, ne crois pas ce singe. Tu m'écoutes? Je n'ai pas touché ces documents. Et pourquoi je vais voler des documents dans le bureau de mon défunt oncle? Pourquoi? Tu me poses cette question? C'est à moi que tu poses cette question. Ce dossier contient un contrat scellé de 100 millions de naira. Tu l'as volé pour usurper l'identité de notre compagnie et fuir avec l'argent. Tu es un voleur. Est-ce que tu t'entends bien? Mais Arinze, tu me connais depuis. Seul Dieu sait, je ne vole pas. Comment je vais voler dans ma propre société? Pourquoi? Mais arrête. Nous devons nous collaborer en ce moment afin de retrouver le vrai voleur. Le vrai voleur ici, c'est toi, Chinedu. Tu es le vrai voleur. Je suis très déçu de toi. C'est là où la pauvreté t'a conduit, volé de la compagnie de ton oncle. C'est clair, je ne suis pas surpris parce que tu es fauché. Ça, c'est l'acte des pauvres. Tu retourneras dans ton bureau, prendras tout ce qui t'appartient personnellement et quitteras ce bâtiment immédiatement. Merci beaucoup. Arinze, ne fais pas ça. Je vis ma pauvreté depuis longtemps et je n'ai jamais dérangé qui que ce soit. Allons-y, monsieur. Sors. Sorte! Fais sortir cet homme de mon bureau! Bien reçu, monsieur. Sors! Voleur! N'importe quoi!
assieds-toi. Merci, monsieur. Ouais. Je dois te dire que tu as fait un travail très fantastique. Merci beaucoup. Tu sais que je dois toujours compter sur toi. Merci, monsieur. Ça, c'est pour toi, pour une mission bien accomplie. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Plus que ça, tu en auras. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. Ça va. Retourne dans ton bureau. Je te rappellerai après. Ok. Ça va. Chinedu, je verrai comment tu pourras traîner la compagne de mon père avec moi. Je t'avais fait confiance. J'avais beaucoup confiance en toi, Chinedu. Qu'est-ce qui t'a pris? Rien ne m'est arrivé. Juste parce que je ne l'ai pas fait. Je l'ai déjà dit, je ne vole pas. Hein? La reine, vous me connaissez depuis longtemps, depuis que j'étais petit, je ne vole pas, je n'ai rien pris. Je dis la vérité. C'est notre façon de dire que mon mari est en train de mentir. Ah, Seigneur. N'est-ce pas? Attends une minute, Chinedu. Es-tu en train de dire que je mens? Tout le monde t'a vu. Bien, Chinedu. Je dois dire quelque chose maintenant. Votre Majesté, s'il vous plaît. Ferme-la et écoute-moi. Je ne veux plus te voir encore tout près de ces palais. Si tu fais le contraire à ce que je t'ai dit, tu vas le regretter. Je crois que tu as entendu l'instruction. Je vais le mettre encore au clair aux travailleurs. Rassure-toi de ne plus revenir quand tu vas partir. Tu n'as qu'à partir. Mais c'est pas juste. Je n'ai pas fait de quoi vous m'accuser. Votre Majesté. C'est déjà fini avec toi. Votre Majesté, permettez-moi de vous poser cette question, s'il vous plaît. Posez-vous-même cette question, s'il vous plaît. Comment ce jeune homme va-t-il se nourrir? Non, sérieusement, Votre Majesté, juste... Je veux une réponse. Posez-vous-même cette question. Comment ce jeune homme va-t-il se nourrir? Je ne vole pas. C'est comme... Vous ne m'écoutez pas. Ne faites pas ça, non. J'ai besoin de ce boulot. Je ne le pense pas. Écoute, Chinedu. Des gens comme vous apprennent leurs leçons de façon dure. Je te souhaite bonne chance quand tu auras rejoint le marché de l'emploi. Là appartiennent des gens comme toi. Maintenant, sors. Arinzi, ce que tu fais là, c'est pas bien. S'il te plaît, va-t'en. Tu es comme mon jeune frère, mon jeune cousin, et tu le sais très bien. Comment vais-je me nourrir? Disparais d'ici. Mais pourquoi vous faites ça avec moi? Dégage de là! Ce n'est pas juste, hein. Je ne vole pas. Écoute, avais-tu regardé le visage de Chinedu? En fait, il avait l'air d'une personne qui ne pouvait plus rien faire. C'était très amusant. J'avais vraiment aimé, crois-moi. Ouais. J'étais très content quand la mère lui a dit ça. J'ai pris toute la vengeance dont j'ai toujours rêvé. Au même moment, je n'aurais pu atteindre ces objectifs sans toi. Oh, s'il te plaît, arrête de me dire ça. Merci beaucoup d'être mon soutien. De rien. Je t'aime. Je suis vraiment contente que tu vas bientôt réaliser tes rêves, n'est-ce pas? Et nous allons toujours vaincre. Maintenant, par où allons-nous commencer cette nuit? J'ai pas compris. Non, pas ça. Et toi, qu'est-ce que tu restes faire là?
Maman, je t'en prie, essaie de revoir ta décision. Naine, rien ne me poussera à changer ma décision. Peu importe les supplications, je reste sur ma décision. Elle a déjà tout gâché. Et pour ça, il a déjà tiré ses conséquences. Maman, il mérite une seconde chance. Et comme ça, personne ne le saura. Je l'ai écouté, bien sûr. Je lui ai laissé le temps de s'expliquer. Il n'avait rien à dire. Sais-tu ce qui allait arriver à la compagnie si ses documents n'étaient pas retrouvés? C'est pourquoi il n'est pas toujours intéressant de s'associer avec les gens de la famille dans les affaires. C'est un désastre. Tu sais quoi? Je dois aller au lit. Il s'est fait tard. Demain, j'ai une longue journée, alors je dois me reposer. Ok? Bonne nuit, je prends ma douche et puis je vais aller dormir. Dors bien. Naï, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Rien ne m'arrive. Ça fait un temps que tu es ici et tu me dis qu'il n'y a rien. Hmm? Ne peux-tu pas me laisser tranquille? Juste entre à la maison. Si tu trouves la tête d'un chien comme une réponse, qu'en feras-tu? Juste laisse-moi tranquille. T'es sûr que tu veux rester ici? Vraiment dur, Ney. Les gens sont vraiment méchants. Ils ont viré ton frère du travail, mais peut-être qu'il a fait essayer dont on lui reproche. Tu vois, comment tu peux dire ça? Ce n'est pas possible, mon frère ne peut pas faire ça. Mon seul frère avec qui on a grandi ensemble, hein? Elle a la dignité et le respect pour lui-même. Il ne peut en aucun cas descendre jusqu'à ce point et humilier notre famille. Tchouma, s'il te plaît. Ah! Je sais. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il faire à présent? Il va recommencer à chercher le travail? Je ne sais même pas, Tioma. Ça, c'est très douloureux. Il ne peut pas s'en vouloir juste à cause des fausses accusations. C'est ça. Il va transformer sa voiture en taxi. Taxi? Pourquoi l'as-tu laissé se convaincre qu'il peut être chauffeur de taxi? Tu sais qu'être chauffeur n'est pas une bonne profession. Un licencié, être un chauffeur de taxi? Arrête ça. Ce n'est pas une bonne profession. Non, c'est mauvais. Pourquoi l'as-tu permis de faire ça? Dis-moi maintenant pour toi. Arrête, tu veux faire quoi? Rester inoccupé pour lui, c'est très ennuyant. Il ne saura pas. Avant qu'il ne commence à fumer, à s'essouler ça et là, je ne saurais pas supporter le voir faire ça. Oui, un licencié qui devient un chauffeur de taxi, ça passe. Ça, c'est juste pour trouver de quoi survivre, ma sœur. Il y a une façon de survivre, c'est ça? Mais sache que c'était une très mauvaise profession. Juste, donne-lui un peu de temps. Donne-lui un peu de temps et il sourira à nouveau. Ça va passer. Hein? Sûrement, il est vrai que ça me dérange, mais nous n'avons pas d'autre choix à faire, tu vois. Le plus important, c'est qu'il trouve de l'argent. On n'a même plus rien comme économie ici dans la maison, ma chère. Je ne sais pas comment nous allons survivre dans cette situation. Je ne sais juste pas quoi faire. Hein? C'est bon. Oui. Je connais bien Tinedu Choma. Il n'a pas fait ça. Il n'a oui, pas volé. Il ne peut sais, pas faire je ça. Je sais qu'il n'a pas fait ça. Tu calmes. Il n'a pas fait ça.
À qui le tour? Ah, c'est bonjour. Bonjour, où allez-vous? Je veux juste quelque part ici en ville. Ah, là-bas, ok, c'est bien. Combien? 5000 naira. Ah, juste quelque part ici, tu me demandes ce montant-là? Oga, s'il te plaît, parle bien haut, je n'ai pas cet argent, s'il te plaît. C'est 5000 naira, hein. Vous savez, nous n'allons pas prendre la voie principale. Nous allons tourner de l'autre côté, il y a de l'aménagement en cours sur cette voie. Nous allons tourner comme ça, pas de problème, payez 3000. 2000, c'est ce que j'ai. Ok, montez, montez. Votre Majesté. Vous et tous les gens doivent savoir que mon fils fit aide. Ce ne fut beaucoup pour notre royaume. Mais pourquoi vous cherchez à trouver une faille entre mon fils et son conseil pour lui coller une faute et dans des futilités? Je le comprends, ma reine. C'est ainsi que je suis venu vous voir. Nous, les cabinets, avons décidé d'accepter n'importe quelle date qui sera choisie par le prince. Tout ce que nous voulons, que notre défunt roi ait l'honneur qu'il mérite. Ça au moins ça peut aller. Ah, oh non, tu sais qu'on avait des grands éléphants. Et c'est le plus gras qui a beaucoup souffert. C'est exact. Je ne veux pas que cela devienne un sujet de discussion ou un problème parmi notre peuple. Je les comprends, ma reine. Notre défunt roi Akadjoba a beaucoup donné pour le progrès de ce royaume. Et nous espérons que ses héritiers continuent. Bien sûr qu'avec mon fils, ils vont continuer. Oh, j'allais oublier. Dis-moi, comment va ta famille? Je crois qu'ils vont bien. Ils vont bien. Merci, Majesté. C'est bien. Oga, qu'est-ce qu'il se passe? Vous réalisez que je suis en retard pour un rendez-vous? Mais c'est quoi ça? Pourquoi vous m'arrêtez au milieu de nulle part, pour l'amour de Dieu? Doucement, non. Ah, sous ce chaud soleil, vous criez comme ça. Doucement. Hein? Doucement, ceci n'est pas ma faute. Ce n'est pas moi qui ai construit la voiture. Ferme-la avec les bêtises que tu me racontes. Tu ne savais pas que ta voiture ne fonctionne pas avant de faire le transport. C'est quoi ça? Est-ce que tu comprends au moins de quoi tu parles? Et s'il vous plaît, ne m'insultez pas. Vous m'écoutez? Ne m'insultez pas. C'est quoi le problème? Avant de quitter la gare, cette voiture fonctionne très bien. Comment ne suis-je même pas sûr que vous êtes la personne qui a apporté la mauvaise chance dans cette Oga, voiture? Tu dois être vraiment stupide pour m'accuser d'être la cause de tous tes problèmes. Espèce d'idiot, tu te prends pour qui? Écoute-moi, ferme ta bouche. Je te dis, hein, ferme ta bouche. Si tu continues de parler, je vais te poursuivre pour non-respect du contrat. Regardez-moi ça, plaisantin. Avez-vous déjà vu quelqu'un traduire un chauffeur de taxi en justice dans ce pays? Vous n'êtes pas sérieux. Je serai le premier.
Ça ne marchera pas dans ce pays. Paye-moi mon argent. Allez, arrête tes conneries. Regardez-moi ça. Une fois que vous montez dans cette voiture, vous l'avez louée. Vous devez payer. Vous pensez que quoi? Regardez-moi ces barbés et son habillement comme un chien. En tout cas, je ne sais pas si c'est la folie Arrêtez ou quoi. De vous plaindre. Donnez-moi mon argent. Après, tu viens prendre l'argent. Je vais la gare jusqu'à cet endroit avant que vous n'endommagiez ma voiture. Paye-moi mon argent. Je confirme que tu es maintenant, fou maintenant. Partez, je vais voir. Il faut bouger. Bêtise. Il faut bouger. Bouger. Maintenant, il faut bouger. Je ne sais même pas si tu raisonnes. Paye-moi mon argent. Ma voiture était en bon état avant que vous ne montiez. Vous avez tout embrouillé. Écoute, fais attention. Je vais tout gâter ici. Monsieur, je vais te terrasser ici, mon frère. Je vais te terrasser ici, gars. Pas de problème. Gars, je vais te terrasser ici. Ouais, s'il te plaît, donne-le-moi. Oh, mon Dieu. Arrêtez, c'est quelle bêtise qui se passe ici. Et toi, reviens ici. Reviens ici. T'as-tu touché? Oh Désolé. Mon Dieu, c'est sale cette chose. Alors écoute-moi bien. La prochaine fois que je te verrai encore collé à mon mari, je ne te laisserai pas partir. Et maintenant, va-t'en. Oui. Et pour toi, Arwenji, hein? Tu es un déshonneur. Comment peux-tu? Veux-tu me dire que ton bureau est devenu un hôtel où tu peux tout faire avec tes invités? Au fait, les prostituées? Non, non, elles ne sont pas des prostituées. Ce sont mes partenaires. Oh, arrête, Arrosé, tu es un menteur. Tu veux nier ce que moi je viens de voir? Non. Suis-je aveugle pour ne rien voir? Non, chérie. Probablement, tu n'as pas bien vu. Honnêtement, chérie, je ne peux pas sortir avec ces choses. Quand tu es là pour moi, j'étais là et elle était venue et nous discutions des affaires sérieuses. Honnêtement, je pas te faire la plus grosse erreur de ma vie, c'est de t'avoir accepté. Non. Je trouve que tu ne me mérites pas. Je te mérite. Non. Bien sûr. Frère, honnêtement, tu dois me comprendre. Est-ce qu'elle me touchait? Bébé, non. Bébé, s'il te plaît, attends. Bébé, s'il te plaît. Tu n'as même pas honte? Enlève tes mains sur mon corps. Sinon, je vais oublier que tu es mon mari. Bébé, s'il te plaît, j'essaie seulement de... Toi, tu es vraiment une disgrâce parfaite. Une déception. Hey! Arwenji, tu transformes ton bureau en un hôtel? C'est très ridicule. Ah. Mère, tu tires des conclusions à la rate. Tu aurais pu du moins m'écouter. Qu'est-ce que tu veux dire? Que ta femme ne t'a pas attrapé? De ses propres yeux, t'es saoulé, flirté avec les filles dans ton bureau, t'es ridiculisant toi-même, c'est ce que tu veux nous dire? Arwenji, tu oublies vraiment qui tu es? Tu oublies que tu es le prochain roi du royaume des Isiala? Ah, sais-tu ce qui... peut arriver si les gens de dehors apprenaient toutes ces bêtises que tu fais? Et je suis désolé, mère. Mais nul ne veut écouter ma part de l'histoire. Attends une minute. Es-tu en train de présenter des excuses par rapport à ce que tu as fait? Ou tu es en train de te justifier par rapport à ça? Bébé, tout ce que je demande, c'est la chance de m'expliquer. Du moins, écoutez-moi d'abord. C'est vrai. Peut-être que tu dois donner tes sales explications après juste ma main. Excusez-moi, s'il vous plaît. Bébé, chérie. Tu causes beaucoup de tort à cette fille.
Elle n'a cessé de faire couler ses larmes depuis qu'elle était rentrée. Le divorce ne sera pas à ton avantage à ces temps-ci. N'oublie pas ton couronnement. Mère, toi, essaie de lui parler. Excuse-moi. Qui, moi? Ouais, toi. Oh, s'il te plaît. Tu as fait le pire. Alors porte ta charge. Excuse-moi. Poser un grand frère. Tu bosses dur et tu ne prends pas le temps de te poser. Mais dis-moi non. Quand? C'est quand nous allons tous les deux vieillir ou probablement mourir que les choses vont changer. Hein? Regarde cette voiture. Je n'ai pas été à mesure de gagner plus que 3000 durant toutes ces semaines avec cette voiture. Hein? La voiture ne cesse de tomber en panne. Je la répare aujourd'hui, demain, elle va développer une autre panne. Je la fixe encore, parfois ça tombe complètement en panne. C'est frustrant, je suis fatigué. Dans ce cas alors, il faut le vendre. À quoi te sert de garder alors le véhicule et de dépenser à tout moment? Essaye de réfléchir. Vends ce véhicule. Et à chaque fois que tu trouves l'argent, tu le dépenses directement. Tu n'as plus besoin de garder ce véhicule. Amaka, jusqu'à quand tu vas t'arrêter de penser ainsi? La vie n'est pas aussi facile que ça. Jette un coup d'œil sur ça. Regarde la voiture que tu me demandes de vendre. Même si je décide maintenant de la vendre, je ne gagnerai rien d'important de la vente, non? Hein? On me donnera un prix insignifiant. Par ailleurs, j'ai une affection pour cette voiture. Si je décide de la vendre, au moins je dois avoir assez d'argent pour acheter une autre. Je ne vais quand même pas traîner à pied, non? Je ne vais plus te forcer. Je ne vais plus en parler. Je ne vais pas te forcer à faire ce que tu ne veux pas faire. Mais j'ai pensé... Tu as un diplôme. Utilise ça pour aller chercher du boulot. Va dans des entreprises et soumets ton CV. Tu trouveras un job. J'ai compris. Je ferai exactement ce que tu as dit. D'accord? Il faut aussi savoir que ton éducation est à la tête de nos priorités. Peu importe ce que nous traversons, tu vas retourner à l'école. Ok? Ça va aller. Prends un peu, non? Du calme. Ressaisis-toi. Ne te dérange pas trop avec ça. Tu sais, je n'en reviens pas. Comment est-ce qu'Arunze peut me tricher comme ça? Je n'arrive pas à le comprendre. Tous les hommes trichent. C'est dans leur ADN. Tous les hommes, ma belle, sont pareils. Mais celui-ci est différent. Il est mon mari. Nous avons juré à être ensemble. Je me demande pourquoi est-ce que Arunze peut arriver à me tromper. C'est dans leur instinct. Voilà. Il est très chanceux d'avoir une si adorable femme comme toi. Si c'était moi, j'allais divorcer de lui depuis longtemps. Sérieusement. Ah. Dis-moi que tu blagues pas. Je n'ai pas le temps pour le cochonnerie, tu me connais. Du calme. Ça me fait mal. Ce n'est pas la fin du monde. Ça va aller. Je ne veux pas que tu te mettes dans cet état à cause d'un homme. C'est parce que il est mon mari. Ressaisis-toi. S'il te plaît, je n'ai pas envie que quelqu'un me distrait. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui est arrivé à tes concubines? Pourquoi tu n'es pas avec elles? Je suis sûre qu'elles t'attendent pour te satisfaire. S'il te plaît, pouvons-nous parler de ça? Tu veux vraiment qu'on en parle, c'est ça? Veux-tu vraiment qu'on en parle? Ok? Je t'écoute. Que veux-tu qu'on en parle?
Vraiment, en toute franchise, moi-même, je ne sais pas le mot approprié à utiliser, mais s'il te plaît, donne-moi tes oreilles attentives. Tout d'abord, je veux te dire que je suis très désolé. Honnêtement, c'est pas que je voulais te blesser. Je sais pas ce qui m'a pris. Je regrette mes actions. Je vais aussi te dire que tout ne va pas bien avec moi depuis le jour-là. Non, Awende. Tu ne sais pas que signifie être désolé. Tu ne sais même pas ce qui est délicat dans l'amour. Penses-tu que tu dois juste parler de la façon dont tu viens de me dire maintenant? Je suis désolé. Tes actes n'étaient pas seulement mauvais, mais c'était vraiment fou provenant de toi. Pourquoi tu m'as trompé? Autant pour moi. Tu sais, tu as tout perdu. Lorsque je t'avais attrapé que tu me trichais. Bébé, s'il te plaît. Tu ne peux pas me punir plus que je me suis puni moi-même. Depuis le moment là où tu m'as vu, je ne suis plus en moi-même. J'ai perdu le contrôle de tout et je ne sais plus. Je ne sais plus quoi faire. Je t'ai brisé le cœur, je le sais. Mais aide-moi à me retrouver. Arise, je crois que je me suis mise au clair. Je refuse. Je n'ai pas envie d'être dérangée. Et je ne suis pas d'humeur d'écouter tes bêtises, ni écouter tes excuses. Tu n'as qu'à aller chez tes prostituées. Laisse-moi tranquille. Je suis désolé, mon amour. Je ne peux pas te laisser tranquille. Penses-tu que je crois toujours en notre amour? J'avais ce rêve qu'on devienne une meilleure famille royale. Quelle sorte d'humiliation? Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es rabaissé toi-même. Aloysé, tu t'es vraiment rabaissé plus bas. Je ne vais plus en parler. Laisse-moi tranquille. Bébé. Laisse ce que tu es en train de faire maintenant. S'il te plaît, quitte ici. Tout ce que tu veux faire là ne signifie rien chez moi. Tu es un tricheur et tu ne vas jamais changer. Attends pour moi. Une chose que je vais te promettre cette nuit, que je vais tenir toute ma vie. Parce que je déteste te voir en peine. Et que je ne vais plus jamais te tromper. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est promis. Je promets. Je promets. D'accord. C'est bon. Je suis désolé. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Chez toi d'ailleurs. Tu es excitée comme ça. Devine quoi? Devine. Donne-le à boire. Devine quoi? Essaye de deviner. Tu sais que je ne sais pas faire. Je sais et je le sais bien. Tu m'envoies me chercher de l'eau. Réponds d'abord. Je ne sais pas. Ok.
Mon grand frère m'a finalement envoyé de l'argent pour les habits, la scolarité et les provisions. Mon Dieu, j'étais très ravie quand mon père m'a appris la nouvelle. Finalement, je vais quitter ce village pour l'école. Alors, laisse-moi t'apporter de l'eau. Ok. Je suis vraiment ravie. Voilà ton nom, Amaka. Amaka? 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 Qu'est-ce qu'il y a? Chuma, j'ai l'impression que mon monde est devenu à sa fin. Même toi, bientôt, tu vas me quitter pour aller poursuivre tes études. Je suis bornée. Je suis devenue juste à ma fin. Je ne sais plus espérer à quoi que ce soit. Ne pleure pas. C'est toi qui as toujours été ma force. S'il te plaît, arrête de pleurer. Rappelle-toi que mon frère ne voulait pas que j'aille à l'école. Il disait toujours que l'éducation d'une femme, c'est dans la cuisine. Un jour, tout ceci ne sera qu'un mauvais souvenir. Tu as dit un jour. Quand, Tioma? Quand est-ce que ce jour arrivera? Je n'ai personne à qui aller plaider ma cause. Mon frère Tinedu vient de perdre son travail. Et il n'est même plus en mesure de mettre la nourriture sur notre table, Tioma. Oh Dieu, où es-tu? Où es-tu? Je vais aller à l'école. C'est bon. Ce jour viendra, ma belle. Arrête de pleurer. Mais Amaka, tu devais être contente parce que je reprends l'école. Et tu viendras me visiter quand je serai là-bas. Essuie tes larmes. S'il te plaît, ne te mets pas à pleurer. Ça va aller. Ono, tu devrais d'abord nous consulter avant d'accepter la date des rendez pour le dernier Ofala. Ce jeune homme n'a aucun respect pour nous les membres du cabinet. Ichi, Onowu m'avait consulté avant d'aller confirmer la date. C'est ça en fait que j'allais dire, hein? Ichi Mamango, tu n'as pas été là il y a quelque temps. Et notre peuple s'est lancé dans les commentaires de rumeurs. Et pour éviter tout cela, j'avais décidé d'accepter de la part de tout le monde ici. Maintenant, c'est quoi la solution? Comme la tradition le demande, nous devons informer les autres clans afin qu'ils puissent contribuer. Exactement. L'annonceur va circuler pour annoncer la nouvelle partout. Mais à mon avis, je pense que nous devrions informer le prince avant de faire toutes les préparations. Est-ce qu'il mérite cet honneur de notre part? C'est ça la question. Hein? Il n'est pas encore roi. Mais d'où détient-il tout ce pouvoir? Ça me rappelle. J'ai appris que ils ont viré Chinedu de la compagnie. Hein? C'est vrai ça? Donc je comprends. Je l'avais vu au marché des Alafo. Dans un taxi, il est maintenant taximène. Oh, pourquoi devrait-il le traiter comme ça? C'est injuste. S'il vous plaît, ancien, nous ferions mieux de nous concentrer sur le sujet dont on parle. On peut parler d'autres sujets quand on aura fini avec les sujets du jour. Ça c'est vrai. Mais qui ira parler au prince Arinze? Bien. Qui ira le faire? Très bien, vas-y, réponds.
Tu étais la personnalité de ce royaume. Maintenant, tu es la première personnalité. Tu as la responsabilité et les devoirs de bien faire les choses. T'es là? C'est quoi cette question? Je suis ici depuis très longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous n'allons plus partir. J'ai d'autres personnes à aller prendre. Hein? Oh, relax, non. Calme-toi, c'est pas ton argent. Relax, mon patron sera là. Ton patron? Donc ce n'est pas toi que je vais prendre? Tu pensais que c'était moi? C'est mon patron qui va, pas moi. Vraiment. J'ai compris. Très bien, chauffeur. Je suis prêt. Ok. Hey. Prends bien soin de ta madame, ok? Oui, je le ferai. Je te verrai quand je reviendrai. D'accord, monsieur. Très bien. Merci pour tout. Oh, pas de quoi. Au revoir. À bientôt. Merci. Très bien, au revoir. Pas vrai, la princesse ne peut pas te dire ça. Ha! Tu n'es qu'une servante ordinaire. Excuse-moi. Que veux-tu dire par une servante ordinaire? Moi, il faut une servante ordinaire? Ou soit tu penses que je ne suis pas jolie, juste parce que je suis habillée ainsi? Tu crois que je ne le mérite pas? Ce n'est pas ça, ma chère, mais c'est une chose que tu dois aussi te taire parce que tu es au palais. Pense sur ce que la reine peut te faire. Et qu'elle peut faire exactement la reine qu'elle n'a jamais fait auparavant. Écoute, quand la princesse va me donner ses habits pour laver, alors tu verras ce que j'en ferai. C'est là que tu vas m'appeler une servante ordinaire. Tu sauras à ce moment que je ne suis pas ordinaire. Ifoma et Lucie, la reine mère vous appelle maintenant. Quel est le problème avec ta voiture? Mon frère, ce moteur, hein, ne te fâche pas. C'est un nouveau modèle de moteur un peu particulier qui exige assez de l'eau une fois que tu roules avec. Écoute, je n'ai plus de temps. S'il te plaît, juste fais-les rapidement. Ne te fâche pas. C'est pas un grand problème. C'est quelque chose qui va prendre juste une minute. C'est pas un grand souci. Crois-moi. Tu sais, les nouveaux moteurs d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils sont construits. Tu dois avoir assez d'eau avec toi. S'il te plaît, ne te fâche pas. Je pense que nous sommes déjà vus une fois. Hein? Je ne peux pas me rappeler. Est-ce que je t'ai déjà transporté dans ma voiture? Tinedou Akadioba. Ah. Tu connais mon nom? Tinedou Onyamamife. Hey! Attends. Une seule personne m'appelait par ce nom. Tchouks. Ah oui! Es-tu sérieux? Tinedou! Ah, mon cher! Mais c'est pas vrai! Tchouks! Waouh, Tinedou, regarde-toi! Hey, c'est toi? Attends, ça? Mon Dieu, mais je ne crois pas mes yeux! Attends, Tchouks! Tu as qui était comme ça quand il nous prédit? C'est toi ça?
Pas étonnant que je ne te reconnais plus. Je suis là. Mais voilà. Mon frère, très ravi de te revoir. Waouh, regarde-toi, je suis très content de te voir. Waouh. Waouh. Te voilà tellement en forme, hein? Hey, Jules. Hey. Nous devons passer des bons moments quelque part. Tu vois, nous devons nous rattraper. Mec, nous avons beaucoup de choses à se dire, hey. Ok? Mais nous devrions d'abord réparer la voiture. Mon frère, c'est tout un problème. Ne te dérange pas, ça va se réparer. Je trouverai une solution pour ça après. Sois calme. Tu monteras encore. Quelle surprise, Tine. Tu sais, je t'ai cherché presque partout. Mon frère, oublie ça. Tu m'as cherché partout. Est-ce que je vis sous le pont? Comment peux-tu dire que tu m'as cherché partout? Est-ce que je suis un sans-abri qui dort sous les ponts? Non, je veux juste te dire que je t'ai cherché dans des réseaux sociaux. J'allais te chercher où d'autre? On n'a jamais fait échange de contacts. Moi, réseaux sociaux. Hé, toi là, tu vois, tu me fais rire. Hein? Regarde-moi très bien. Même vos soi-disant réseaux sociaux savent très bien que mon taxi et moi ne les approchent pas. Voyez, mange d'abord avant de parler des réseaux sociaux. Hey. Dis-moi, comment vas-tu? Comment vas-tu? Bien. Je vais bien depuis que je suis rentré. Je pense déjà faire mes valises. Hein? Wow. Et de ton côté? Ah. Pas encore. Pas encore. Écoute, Tinedo, je suis surpris que tu travailles comme un chauffeur de taxi. Tiens donc, tu as toujours été le plus brillant, le plus intelligent. Qu'est-ce qui s'est passé? Jokes, tu as raison. Tu as raison, frère. Tu sais, ce qui m'est arrivé est la situation de ce pays. Il n'y a pas de travail nulle part. Tu es hors de ce pays depuis longtemps et tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Pas de travail? Crois-moi, partout... Tu trouveras des diplômés qui font de petits travaux. C'est... En fait, tu vois mon boulot aussi, hein? Conduire un taxi, c'est du miracle. Je te dis, en voyant la situation du pays en ce moment, plusieurs diplômés sont sans emploi. Je te dis, c'est dur. Tu sais, tu es parti à l'étranger depuis longtemps et tu ne peux pas comprendre. Il n'y a pas de travail. Rien ne bouge. C'est ça. En tout cas, dans toute situation, remercions Dieu. Mon frère, une fois, ravi de te revoir. Oui, moi aussi, je suis très content ravi de te voir. Ravi de te revoir. Tinedu. Ok, bien. C'est moi, non? J'ai appris que tu vis au Canada. C'est au Canada ou bien aux États-Unis? Oui, je suis au Canada. Canada. Je me rappelle. Le temps même s'en va. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose me vient en esprit. Ah. Ok. Qu'est-ce que c'est? Amaka! 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 Ah, tu es ici, Amaka! Amaka! J'ai une bonne nouvelle pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Une bonne nouvelle, je dis. Viens. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu sais, mon ami Chux, et qui vit au Canada. Je l'ai rencontré cet après-midi. Ada, je n'arrive pas à croire que tu continues à te faire embobiner par lui. Ne réalises-tu pas qu'il ne fait que te mentir? Jane, que veux-tu que je fasse? Vas-y, dis-moi, que veux-tu que je fasse? Veux-tu alors que je l'abandonne pour qu'une autre femme prenne ma place? Ou tu veux que je laisse une autre femme devenir reine de ce royaume? Ce n'est pas ce que je dis. Mais il te triche. Pourquoi tu n'arrives pas à réaliser qu'il est en train de te mentir? Bien, je te dis qu'il a changé. Je suis sûre avec ça. Jane, j'avais tout sacrifié. Stop. Assez parlé. C'est bon, je ne vais plus en rajouter. On y va. Mais partons. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, on n'en parle plus.
Canada, mon frère. Canada, il faut leur dire ça. Tu vois tous ces gens, malheur à eux. Dans ce village, ceux qui pensent que je ne vais pas réussir, voici pour vous tous. Ne les regarde pas. Il faut leur dire ça, des mauvaises personnes. Écoute, écoute, ma chère, calme-toi. Ne te dérange même pas. Le moment où je vais arriver au Canada, hein, c'est en ce moment que tu connaîtras mes vrais efforts. Je vais me débrouiller de gauche à droite. Écoute, je suis confiant que je vais réussir. Tu sais, au moment où je vais réussir, la première des choses à faire est de venir te ramener au Canada. Canada. Oui. Ah, Canada. Merci. Je te crois. Mmh. Tu sais quoi, grand frère, mmh? Aïe. Donc le problème de mes études est résolu. Immédiatement, non? Quel est ton problème même? Nous allons de l'avant, toi tu nous ramènes encore en arrière. Je dis, tout est réglé. Laisse-moi te dire ce que tu vas faire, hein? Ce soir, va sur cette voie. Tu connais ce cybercafé, non? Sur la voie. Je connais ce café, non? Va là-bas, achète la connexion et dis-leur que tu veux naviguer. Fais la recherche pour, je veux dire, les meilleures écoles au Canada. Pas n'importe quelle école, hein? La meilleure école au Canada. Envoie-leur un mail et dis-leur que tu arrives. J'arrive. Bientôt, j'arrive au Canada. Tu sais quoi, grand frère? Je vais te faire ton repas favori. Ton repas favori. Merci. Hein? Merci. Hey, mets beaucoup de piment. Fais-moi confiance. Il faut bien pimenter. J'arrive. Canada. Hey. Hey, grand frère. Tu as dit que tu dois avoir ton visa. Oui. Et ça sera comment pour les billets de vol? Je veux dire, où est-ce que tu auras l'argent pour acheter les billets? Yeah. Hey! Tu sais que je n'ai jamais pensé à ça. Ah! Tu me cherches. Je n'aime pas les distractions quand je m'occupe de mes propres affaires. Je suis vraiment désolée. Oh maman, pourquoi ne pas le laisser vomir des bêtises de sa bouche? C'est alors que nous pourrons bien l'excuser. Ok, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Votre Majesté, j'ai besoin d'aide. Hein? Aide financière. Vous savez, je vais voyager au Canada. Oui, j'ai besoin d'argent pour le billet d'avion, s'il vous plaît. Tu veux voyager pour aller où? Canada. Cannes? Je n'ai pas dit Cannes, Canada. Cannes? Oui, votre majesté. Maman, je voulais bien que tu l'entendes toi-même. Maman, tu l'as bien entendu? Monsieur Canada. Attends un peu, attends, laisse-moi comprendre quelque chose. Tu es d'où? Tu veux aller au Canada? Tu penses que aller au Canada, c'est comme aller à Kananga, où on peut prendre un transport? Bien sûr, je sais que ce n'est pas ça. Mais vous savez, Dieu m'a aidé. Un très bon ami à moi m'a promis de m'aider à obtenir le visa. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter pour ça, qu'il va s'en charger. Mon souci en ce moment, c'est le billet d'avion. Je dois trouver de l'argent pour acheter cela moi-même. Et si je n'arrive pas à l'avoir, le visa pourrait expirer. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre ici. Si ton ami t'a aidé à trouver facilement le visa, pourquoi ne peut-il pas t'aider à trouver le billet? Pourquoi viens-tu nous déranger avec tes bêtises des visas? Pourquoi? Tu n'es d'où?
Félicitations pour l'approvisionnement de ton visa. Merci, Votre Majesté. Mais tu dois partir maintenant parce que je n'ai pas d'argent à te donner. Ça, ce n'est pas vrai. Mais oui, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Votre Majesté, aidez-moi, s'il vous plaît. Je vous connais très bien, vous avez de l'argent. S'il vous plaît. Aidez-moi cette fois-ci, non. Je peux même perdre cette opportunité. C'est pas juste. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vous supplie juste, aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Oh, ok, faut pas me donner ça gratuitement. Donnez-moi ça comme un prêt. Hein? Vous me connaissez, je suis un gars laborieux. Hein? Une fois arrivé au Canada, je vais travailler dur afin de vous rembourser. Mais me dire en ce moment que vous n'avez pas d'argent, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous pouvez dire ça à une autre personne, mais pas moi, quand même la reine. Je vous connais très bien. Est-ce que tu peux lire l'ancienne qui est ici? Mais il n'y a rien. Il n'y a aucune ancienne ici. Bien, comme il n'y a aucune ancienne ici, cela veut dire, ici nous sommes au palais et non pas une banque de microfinance là où vous allez emprunter de l'argent. Disparaît de ma présence maintenant. Dégage. Es-tu sourd? Oh gars, va-t'en. Dégage. Vas-y. Dégage. Tu ne veux pas partir? C'est pas juste. Hein. C'est pas juste. Maman, il a dit qu'il voyage pour où comme ça? Hein? Chine du Canada. Les gardes, ouvrez ce portail pour lui. Un gars Amaka, juste après avoir payé tout le frais, dès que j'ai ouvert les yeux, hey, il fallait voir. L'université est très vaste et les gens ne s'habillent pas n'importe comment. Hey, il y a les styles là-bas. Ne dis pas ça. Les étudiants, quand est-ce que moi je vais même aller à l'université? T'as pas tort. Mais est-ce que tu as déjà trouvé l'endroit où tu vas rester? Je l'ai fait. Choma, laisse-moi te dire que tu es vraiment chanceuse. T'inquiète pas, ton air va arriver bientôt. Ce n'est plus pour longtemps. Que la même opportunité que tu avais... Ça va arriver, amen. Ma seule amie Choma est maintenant une étudiante de l'université. Ok. Qu'en est-il de Chinedu? As-tu dit qu'il va voyager pour l'étranger? Chinedu est en train de partir au Canada. Dieu est vraiment Dieu grand. Dieu merci. C'est une longue histoire, mais le problème maintenant, c'est qu'il est en train de chercher l'argent pour le billet. Ceci est une bouffée d'oxygène pour toi et ta famille. Ah, oui. Je savais que ça n'allait pas finir ainsi. Amen. Mon père m'avait demandé de laver ses habits, alors je crois que je dois rentrer à la maison. Choma, arrête ça. Allez, pas ça, je t'en prie, mon amour. Choma, arrête, je ne veux pas avoir de problème avec lui. S'il te plaît, je pars. À plus. Ok, bien, allons-y. Chinedu, la manière dont tu m'as appelé au téléphone, quel est ce problème que tu ne pouvais même pas me dire au téléphone? Hein? C'est pas facile la vie. Tu peux boire rien. Ok, merci. Quel est le problème? Chux, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai même honte de te parler de ce sujet. Crois-moi. Ça ne va pas, Jules. Je ne sais pas. Je ne sais même pas par où commencer. Hein? Crois-moi, j'ai discuté avec ma soeur. Nous avons remarqué que ce n'est pas quelque chose qu'on doit discuter au téléphone avec toi. C'est pourquoi, tu sais, nous avons décidé de te demander de venir. Ça ne va pas. Je te dis, mon gars, c'est le problème d'argent. Crois-moi, j'ai demandé, il fallait me voir. J'ai supplié tout le monde. Hein? J'ai circulé de gauche à droite en les approchant humblement, mais tout le monde dit pas d'argent. Il fallait me voir. Parce que je sais que sans l'argent, je ne vois pas comment je peux réaliser ceci. Ce n'est pas possible. Où dois-je commencer?
même des endroits où je n'ai jamais pensé y aller, pour aller demander de l'argent. Parce que je sais que tu vas payer pour mon visa, n'est-ce pas? Tu vas payer mon visa. Mais je sais que ce n'est pas tout. Il y a deux choses, le visa et le billet d'avion. Peu importe ce que tu fais, même si tu as le visa et les autres papiers. Nous savons tous que ce n'est pas possible. Pas moyen qu'on m'embarque au bord d'un avion sans le billet. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai frappé des portes, supplié des gens de gauche et à droite afin d'avoir de l'argent pour acheter mon billet. Crois-moi, je n'ai rien pu obtenir. Hein? Je n'ai rien pu trouver. Non, arrête de te moquer de moi. Hein? Donc, c'est pourquoi ma soeur et moi avons décidé de t'inviter. Afin de te supplier. Tu sais, faut pas être déçu, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu trouver de l'argent pour le billet d'avion. Donc, je pense tout juste que peut-être, cette fois-ci, tu vas repartir au Canada seul. Et me donner un peu de temps, je vais continuer à me débrouiller. Et supplier les gens et faire de petits boulots. Une fois que je sois en mesure d'acheter le ticket, je vais le faire. Et je viendrai te rejoindre. Mais Tinedu, je ne me rappelle pas t'avoir dit que tu allais acheter ton billet. Yeah. Mais on ne va pas au Canada avec la moto. Je t'avais dit que je prends en charge toutes les dépenses d'ici jusqu'au Canada. J'en ai l'entière responsabilité. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Hein? Bien sûr. Es-tu sérieux? Mais attends. Es-tu sérieux? Bien sûr. Tu es mon ami et je ferai ça pour toi. Ouais? Pourquoi sommes-nous amis alors? Oh, ne te dérange pas. C'est pas à toi la responsabilité. Mais tu es sérieux? Bien sûr. Hey, je ne sais pas. Aïe, mon frère, il fallait me voir. Je cherchais de l'argent comme un fou. Demander de l'argent comme un fou. Sérieux? Je te dis, si tu vois comment je cherchais de l'argent, tu ne peux... Hey, oh, aïe, Jux, merci. Oh, non, hey. Non, tu ne dois pas faire ça. Non, c'est hey. Belé. Non. Tout va bien. Es-tu sérieux? Bien sûr. Mon frère, merci. Je continue à me poser la question. Comment je vais avoir le ticket sans l'argent? Comment? Et où? Par quelle magie? Comment? Merci. Tu m'es doux. Merci. Merci. Ça merci. Va. Oh. Ça va. Merci. Je vais te bénir. Amen. Qu'il voyage. Quand il va atterrir là-bas, il saura que ce n'est pas facile de vivre à l'étranger. Peut-être qu'il croit que l'argent est cueilli sur les arbres là-bas. Attendons voir chez ses amis. Lorsqu'il va lui rendre un mauvais service, c'est alors qu'il saura. C'est là qu'il saura que la vie n'est pas aussi facile. Oui, vous avez raison. Ma belle-mère. Oh, les voici, les grands princes du royaume de Isiala. J'ai entendu vos voix et je me demandais ce qui se passe alors, c'est pourquoi je suis là. Ouais, demande-moi quoi. Quoi? Tu ne dois voyager pour Canada. Est-ce que ça doit faire l'objet de discussion dans ce palais? Devrions-nous alors sauter de notre peau parce que Chin doit voyager au Canada? Oh, s'il vous plaît, discutons de quelque chose qui a plus d'importance. Je savais que mon mari allait dire ça. Oh. Bon, ma reine, moi je vous prends un peu congé. Je vous vois après. Oh, bien sûr. Ok. Mon prince couronné. Oui, mère. Le prince couronné du royaume des... Ouais, c'est moi-même en personne. Mon précieux fils. Alors, mon fils. Oui, mère. Comment tu te prépares pour passer au pouvoir? Parce que le couronnement est pour bientôt. Les préparatifs sont bien en cours et les anciens coopèrent très bien. Ils n'ont pas de soi. Ça, c'est sûr.
Alors dis-moi de quoi j'ai l'air, mère. Comment tu me trouves? Mon fils. Tu es petit l'ange. Tout est déjà prêt? Oui, ma reine. Dépêchez-vous. Oui, ma reine. Et toi, viens. Qu'est-ce que tu en mets? Allez, vas-y, pars. Au lieu de l'ouvrir, tu m'emmènes ça comme ça. Ma reine. Ma chère. Vous êtes là? Ma reine, j'aimerais vous demander quelque chose. C'est quoi? Comment est-ce que Chinedu a trouvé l'argent pour aller au Canada? Et pourquoi est-ce que sa jeune sœur vient ici au palais pour demander l'argent? Elle le supplie beaucoup. Je ne sais pas pourquoi est-ce que son frère ne lui a pas aussi laissé quelque chose. N'est-ce pas que c'est là une preuve tangible qu'ils sont en train de chercher à se comparer à la famille royale? C'est une abomination. Bien, nous savons tous que Chinedu, c'est une personne très égoïste. Arrête de faire de bruit avec ça. Désolée. Bien, je crois qu'il peut y avoir quelque chose d'un peu louche. Sans effet, je ne peux en aucun cas me mettre dans ça. Moi? Personne ne peut me laisser la charge de la gestion de sa famille. Pendant que moi, je suis encore en train de prendre soin de la mienne. Combien de toits tu dois prendre pour finir? La table est dressée, ma reine. Ok. Bien, c'est son affaire qu'il a quémandé l'argent partout où il veut. Ça m'est égal. Amaka, comment ça va? Je ne savais pas que tu étais là. S'il te plaît, viens te mettre ici. Non, je ne veux pas m'asseoir. Je suis venue juste te demander quelque chose. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Vas-y. Basile, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider avec un peu d'argent? Chai, pourquoi n'étais-tu pas venu hier? J'avais un peu d'argent hier, mais je l'ai utilisé pour acheter la marchandise. Basile, je te prie, pardon. Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Même si tu as un 500 naira, s'il te plaît, donne-le-moi, j'en ai besoin. Attends. C'est tout ce que j'ai. J'espère que ça va t'aider. S'il te plaît, prends, c'est tout ce que j'ai. J'aurais voulu faire plus. Merci. Je t'en prie, prends soin de toi. Prends soin de toi, hein? Thank you.
Salut, votre majesté. Est-ce que vous pouvez m'aider avec un petit rien? Je n'ai pas encore mangé depuis le matin. S'il te plaît, je te prie de m'aider avec un petit rien pour prendre soin de moi. Ma chère, la conjoncture du pays ne nous permet pas, ma chère, crois-moi. Tout est devenu difficile, il n'y a pas d'argent. Et aussi parce que nous sommes en train de préparer notre afala, ce n'est pas aussi facile. Mais tu sais que tu peux gagner l'argent ici si tu travailles comme une servante? Oui. Votre Majesté, vous voulez que je devienne votre servante dans ma propre famille? Quelle famille? Écoute, tu sais, il y a la dignité dans le travail. Il n'y a rien de famille ici. Ok? Écoute, je n'ai pas ton temps, hein? Prends le temps de réfléchir là-dessus. J'ai beaucoup de gens à recevoir aujourd'hui. Alors réfléchis par rapport à ça et tu vas me revenir. Ok? Merci. Merci, Votre Majesté. Ok. C'est ici la sortie. Tu peux sortir par ici. Ah! Faut tous la penser, quoi, que nous sommes une organisation d'aide ici ou quoi? L'argent se gagne. C'est quoi ça? Excuse-moi, maman. Pas de problème, ma chère. Ah! Les situations d'aujourd'hui font que les gens changent leur horaire de manger. Les gens qui mangeaient trois fois la journée mangent maintenant deux fois la journée. Ou peut-être qu'une seule fois la journée, soit à midi ou à minuit. La vie n'est pas facile. Mon défunt frère était un bon homme. Il a investi dans les personnes. Je suis un bénéficiaire de son bon cœur. Qu'est-ce que je vais donc faire? Ça devait être pour moi et mes enfants. Par où je veux commencer? Mes corps, je souffre. Ne pleure pas. Ne pleure pas, tu ne peux pas pleurer, pas à ma présence. Écoute, laisse-moi te dire. La charge de cette famille doit être sur moi. C'est ma responsabilité. Ok? Mon Dieu! Regarde, regarde. Je vais faire comment? Sèche tes larmes, ne pleure plus. Je te promets que vos besoins seront ma responsabilité. Chinedu, Amaka, ne vous inquiétez pas, je vais prendre en charge tous vos problèmes. Ok? Merci okay? énormément. Sèche tes larmes, s'il te plaît. Je sais ce que tu ressens. S'il te plaît, ne sois pas dur envers toi-même. Tu es de ma famille et je t'aime. N'oublie pas qu'après la pluie, vient le beau temps. Tout ceci va passer. Je t'encouragerai d'accepter l'offre. Oui. Je pourrai toujours veiller sur toi si tu es tout près de moi. Je te soutiendrai. T'inquiète. Je vais demander au garde de t'apporter quelque chose. S'il te plaît. Allez, viens par là. Ha ha ha.
servante au palais? Oui, oh, ainsi va la vie, ma chérie, je n'ai pas de choix. Et qu'en penses-tu? C'est quoi leur rôle? N'est-ce pas dans leur responsabilité de prendre soin de toi? C'est à eux de le faire. Mais ils m'ont dit de faire ça. Ils m'ont donné ça comme offre. Et si tu me demandais, je te dirais, j'ai fait avec. Pendant combien de temps vas-tu travailler pour eux afin de rassembler l'argent pour reprendre les études? Sûrement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Amaka, tu vas rater cette occasion. Mais t'inquiète, sûrement, je sais. Je sais. Attends, arrête de me donner l'impression comme si j'étais en train de prendre une mauvaise décision. Et je veux que tu me soutiennes dans ça, Thioma, s'il te plaît. Je ne peux pas t'encourager dans ce que tu n'es pas capable de faire. Écoute, Amaka, et vois ceci comme un plan qui va te faire sortir de l'eau. Ouvre les yeux, ma chère Amaka. Allez, ma chérie, dis-moi d'abord comment ça évolue à l'université. Tu as changé, hein? Tu ne sais pas parler, tu ne fais que sourire, Thioma. Dis-moi, Thioma, tu as déjà trouvé un copain, hein? Ne me cache rien, je veux tout savoir. Raconte-moi, dis, Amaka, parle, non? L'université n'est pas du tout comme tu le penses. C'est très difficile. Tu dois lire pour réussir. Ce n'est pas comme à l'école primaire. Là où on dérangeait, on faisait du n'importe quoi. Mais en fin de compte, on réussissait toujours. Mais à l'université, tu dois lire pour passer. Hey! Amaka, c'est dur. Les étudiants de l'université. On va tous aller dans cette université. Oh. Amen. L'université. Très difficile. Thioma, étudiante de l'université, mon ami. Hey, ok, bien. Je ne doute pas de toi. Ok, ça va. Il n'y a pas de problème.
Salutations, Votre Majesté. Mais je t'ai déjà écouté quand tu m'as salué pour la première fois. Ah, c'est quoi ça? À chaque fois que tu t'approches de moi, tu m'irrites toujours. Qu'est-ce que tu veux encore? Je suis désolée, Votre Majesté. Oh, dis-moi ce que tu veux, arrête de me dire que tu es désolée. Je viens juste vous rappeler pour ce que vous m'avez promis. Votre Majesté, la dernière inscription s'approche déjà. Votre Majesté, pardon, je vous supplie, je ne veux pas perdre cette chance. Hé hé! Les gens de ce monde sont très drôles, hein? Je pensais que tu as commencé à travailler ici tant que servante. Maintenant, de quoi est-ce que tu es en train de me parler? Parce que tu reçois ton salaire. Mais pourquoi tu ne peux pas utiliser cet argent pour tes besoins, à la place de venir me déranger ici? Votre Majesté, ferme ta bouche et va dehors. Désolée. Allez dehors, arrête de me dire que tu es désolée. Ah ah! Rabat-joie! Je ne te blâme pas. C'est parce que j'ai eu l'opportunité de venir dans ma présence. Ah! Je pense que tout est bien arrangé, mon prince. Tous les clans sont prêts à donner leurs contributions respectives. En fait, le royaume entier se prépare pour ce festival. Ton défunt père, le roi Akadioba, va nous manquer vraiment. Aïe. Au nom où tu as bien parlé, mon père n'a fait aucune erreur en faisant de toi son Ono. Car réellement, tu es un homme de sagesse. Merci beaucoup, je t'apprécie vraiment, Ono. Mais je vais te poser une question, Ono. Qui est en charge de tous les invités venant des autres royaumes et des autres parties du monde? Parce que concernant les fonctionnaires du gouvernement, je m'en chargerai moi-même. Cela aussi a déjà été pris en charge. Les jeunes du royaume de Isiana sont prêts à s'occuper de tout ça. D'ailleurs, laisse-moi te prévenir. Ils préparent plusieurs surprises pour toi. J'aime vraiment ceci. Et bien sûr, je m'attendais à ça. Ono, merci beaucoup. Ah. Et enfin, mon père avec joie rejoindra ses ancêtres. Il sait... Quoi? Es-tu folle? Mais pourquoi tu claques la porte de cette façon? Je hais les excuses à tout moment. Sais-tu combien cette porte que tu veux casser coûte? Je t'avais déjà dit, ici c'est le palais. Tout ce qu'il y a dans cette maison est très délicat et très coûteux. Non, alors dans ce cas, je vais aller déposer cette eau dans la... Peux-tu déposer cette eau ici avant que tu ne puisses les contaminer? Folle! Le prince couronné est déjà de retour? Non, ma reine, pas encore. Mets-moi au courant dès qu'il est là. Et rassure-toi de nettoyer partout, comme il faut. Hein? Sinon, tu vas regretter. Allez, sors. Hé, hey, 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 reviens ici. C'est qui ouvre cette bouteille, moi? Hé, hey, 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 sors, 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 sors. Dehors. Tu veux le contaminer avec tes mains sales? Folle. Stupide fille. Je vais vraiment me décider des designs que je vais mettre. Maman, tu n'es pas supposée mettre ces vêtements-là? Tu es une veuve.
Merci de me rappeler, mais ce n'est pas aussi interdit que je m'habille de manière plus somptueuse. Maman. Es-tu aveugle? Es-tu folle? Qu'est-ce que tu viens de faire? Hein? Toi, qu'est-ce que tu as fait? Sors vite d'ici. Tu es comment? Je ne pas que tu es désolée. Sors vite d'ici. Sors. Maman, ça suffit. Regardez-moi cette idiote. Quoi? Désolée. Tu vois ça? Oui. Es-tu malade? J'ai envie de sortir pour une sorte. Mais qui va arranger ici? Qui va nettoyer ici? Quoi? Regarde. Ça suffit, maman. Gloire soit rendue à Dieu parce que c'était de l'eau froide. Si c'était alors du thé chaud ou... Dis-lui de venir nettoyer ici vite. Ça suffit, maman, c'est bon. Dis-lui de venir nettoyer ici vite. Amaka! Est-ce que ta tête fonctionne bien? Je t'ai dit de sortir, petit sort. Il va maintenant arranger ici. Arrange vite. Dépêche-toi. C'est quoi ça? Enlevez-moi ces bêtises. Vole! Va chercher les détergents. Dépêche-toi. Et cet endroit va devenir propre maintenant. Allez, sors. Va-t'en, va-t'en. Maman, c'est bon, ça suffit. Bon Dieu. Quoi? Reviens nettoyer ici vite. Hi. Ceci est vraiment difficile. Je ne comprends pas pourquoi il la traite de cette façon. D'où leur viennent ces idées? Elle ne le mérite pas. Ah. Maintenant, je vois qu'il n'y a pas une servante plus meilleure qu'une autre. Si on la traite de cette façon, et alors nous? Donc à présent, tu comprends ce que je te disais. Il n'y a pas longtemps, ils ont viré son frère de l'entreprise. Comme si cette insulte n'était pas assez. Ils l'ont engagé dans ses palais comme une simple servante. Elle mérite mieux. Allons s'il te plaît la consoler. Tu sais, elle est l'une de nous, n'est-ce pas? Allons? Donc tu m'inclus dans ça? Ma chère, dans ces palais, je ne suis qu'une servante. Et pour cette raison, je connais mes limites. Pour ces, je ne vais pas me mêler des affaires familiales. Alors, je ne veux pas que tu dises que je suis mauvaise. Si tu veux aller la consoler, tu peux y aller. J'ai plein de chats fouettés. Alors, ma belle, tu peux y aller. Belle maman. C'est vrai? Oui. C'est très beau, n'est-ce pas? Oui. Je ne me suis même pas imaginé que ça allait sortir comme ça. Ah, c'est parfait. Vraiment, merci. Tu sais que tu as toujours été belle. Je sais. Et toi, tu ne fais pas des compliments? Sa Majesté, c'est très joli. Ferme-la! Paul! Maman. Non sens. C'est qui est là? Votre Majesté, as-tu fini ce que j'entends de faire? Oui, Votre Majesté. Et tu ne m'as pas signalé? Folle! Regarde comment tu es habillée. Tu ne peux pas t'habiller convenablement? Allez, sors! Désolée. Votre... Disparais ici! Malade! Ces filles m'énervent toujours. Maman. Allez, soulève-moi cette reine. Maman. Amour, venant à fouer.
Amen.